Les équipes derrière Yakuza semblent décidément infatigables. La série compte officiellement 6 épisodes canoniques, mais on peut y ajouter le Zero, le Kenzan, le Dead Souls. Oui, la saga se décline à toutes les sauces et se cache même parfois où on ne l'attend pas. Prenez Judgment. Rien ne le laisse entendre, mais il s'agit d'un spin-off de Yakuza. Oui, vous l'aviez deviné. Si l'on retrouve bel et bien le quartier de Kamurocho et son ambiance singulière, l'intérêt premier du titre réside dans son personnage principal. En effet, on y incarne un détective chargé d'enquêter sur un meurtrier en série, et vous vous doutez bien que ça fait plus que changer la donne en termes de gameplay, en premier lieu, bien sûr. Qui dit inspecteur dit filature, investigation, recherche d'indices, et ces nouvelles manières de jouer apportent un vent de fraîcheur bienvenu. Bien sûr, notre avatar devra également en venir aux mains de temps en temps, pas de panique, hein, le titre s'est resté nerveux. Si les quelques minutes passées en compagnie de cette version preview ont pu nous rassurer sur la prise en main pure du titre, l'histoire, elle, reste voilée de mystère, et c'est tant mieux. On peut faire confiance au studio japonais dans ce registre comme dans tant d'autres, ce qui constitue l'identité Yakuza, les mini-jeux, la dose d'absurde nécessaire dans un monde pourtant sombre. Pour ces raisons, on s'essaiera à Judgment lors de sa sortie cet été, et il y a de grandes chances qu'on aime ça. Alors, c'est de la balle ou pas ce jeu ?